13. Il doit y avoir 11 fourchettes. On fait le plus grand film du monde ici, pas un flop à 10 fourchettes. Biko, es-tu sûr qu'on a les moyens pour tout ça? Caméra plaquée or, assistant robot... Deux manoirs de secours? C'est beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Ah, Peach, comme l'a dit le grand réalisateur François de Fluff, non, ça ne l'est pas. Maintenant, tout le monde en costume. Ok, dans cette scène, Madame Chichi prend une fourchette. Action! Coupé! Peach, je pense que ce serait plus crédible si tu étais une vraie pêche. Mais le nom de mon personnage est Madame Chichi. Coupé! C'est idiot! Vous êtes toutes les deux de nobles dames. Vous devriez toutes les deux être des fruits. Ok, prise 324. Oh, devriez-vous être des chaussures géantes qui parlent? Non, des chaussures miniatures qui parlent. Oh, que ferait François? Ça n'en finit pas, Peach. On doit faire quelque chose. Des coccinelles feraient l'affaire, mais il faudrait qu'elles soient invisibles. Tu sais, Biko, tous les meilleurs réalisateurs s'en tiennent au scénario. Je n'utilise pas de script, j'écoute mes tripes. Comment? Vous pensez qu'elles devraient être des nains de jardin? C'est désespérant. J'ai peut-être une idée. Biko! François, le grand réalisateur, est-ce vraiment vous? Mon cher Biko, je ne suis plus réalisateur. J'y ai renoncé pour un travail plus important. Hein? Oui. Faire le clap avant chaque prise. Sans ça, la scène ne peut pas commencer. Sans ça, les acteurs sont des marionnettes sans ficelle. Et sans ça, il n'y aurait rien qui fasse le clap. Alors je ferai le clap. Peach, tu es la nouvelle réalisatrice. Je dois faire de plus grandes choses. Félicitations à tout le monde. C'est un chef-d'œuvre, une merveille, le plus grand film du monde. C'était très amusant, Biko. Hey, tu veux réaliser la suite? Tu plaisantes. Je préfère mille fois le clap.